vous sens pas très décontracté pour ce nouveau stream de 19h, c'est quand même vachement étrange. Vous avez senti quelque chose? Il y a un je ne sais quoi dans l'air. Oui, l'ambiance est vraiment très particulière en ce moment. Bienvenue donc pour ce nouveau stream de 19h où nous allons éplucher, non pas un shmup, eh oui. On va se faire une nouveauté. Cette nouveauté, elle s'appelle 25 Cadre of Death. C'est un jeu horrifique dont je ne connais absolument rien, ni les tenants, ni les aboutissants, et dans lequel on va rusher. Alors, j'étais à deux doigts de lancer une nouvelle team dans The Big Game of Ski, parce que vous savez que j'ai des grands talents pour l'acting, avec le club des chasseurs de paranormaux, et vous n'aurez toujours pas Norman. Norman, l'idiot zozotant leader du club des chasseurs de paranormaux. Mais je vous garantis que je m'entraîne et un jour ou l'autre, il vous fera un stream de jeux d'horreur et ça devrait être pas mal. Enfin, on va aller voir ce que ça vaut ce jeu qui est sorti récemment, en octobre, là. Et s'il vaut la peine qu'on passe du temps dessus. Non, ne rêvez pas, il n'y aura pas de fail de démarrage. Oui, j'ai un contrôle total aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent. Alors, il y aura peut-être le son du jeu qu'il faudra que j'ajuste pendant la partie. Est-ce que je connais vraiment pas ce jeu? Oui, je ne connais vraiment pas ce jeu. Alors, l'ambiance de ce que j'ai compris, c'est vous êtes largué dans une baraque. Voilà. Et apparemment, sortir, ce serait pas vraiment une excellente idée de ce que j'en ai entendu dire il n'y a pas si longtemps. Oula, ça rame chez moi. Alors, j'ai aucune option sur ce jeu. Ce chat est à l'envers. C'est les fameux chats qui jouaient avec les bouteilles de gaz. J'en ai déjà fait voir sur Twitter. On peut pas dire que ce soit le bon goût hein, dans les illustrations, quand même. Eh oui. Quand ton chat a trop joué avec les ballons pleins de gaz que tu avais prévu pour les mômes à l'anniversaire... Voilà ce qui se passe. Il flotte au plafond. Ouh, c'est pas très très speed comme framerate, mais je vous rappelle que je n'ai pas une machine de compétition, contrairement au youtubeur Baz, qui lui est pété de thunes. D'ailleurs, il est né pété de thunes en général, si on observe bien. Qu'est-ce? Des parfums, des... On s'en fout un peu, les gars. C'est joli, c'est détaillé, c'est fin, mais... Je peux jumper, ça c'est la fête. Bon, je peux jumper, c'est tout. Oh là là, ça va être pénible de supporter ce rendu qui est plein de je ne sais pas quoi. Alors c'est pas les. Là je suis en QHD en plus, donc la machine est en train de faire. Bah, on n'entend pas le. Non, ce n'est pas un avion, c'est la ventilation de la carte graphique et du processeur qui sont en train de carburer à fond comme des abrutis. Oui, bah tu vois un lit, tu le piétines. Bon, on se casse, y a rien à faire ici. T'aurais pas l'idée de le mettre sur le pad, non. Déjà? N'est pas du tout dirigiste. Bah, la télé elle est allumée, Coco, donc qu'est-ce que tu me casses la tête? Bien là pour regarder la télé, non? Non, je vais regarder s'il n'y a pas des options accessibles parce que c'est un peu tristouille. Graphique ultra, on va éviter. Hein. On va éviter. Ça, c'est bon.
Oui, c'est un jeu russe. Alors, j'ai un petit poil gagné en framerate, mais c'est vraiment minable. Tu ne peux pas dormir, tu n'as pas ta brosse à dents. Les gens qui suivent mes streams vont tout de suite remettre de quoi je parle. Ouais, ça c'est un bon roupillon, quoi. Oui, parce que je vous avais streamé un jeu qui était juste pathétique. C'était Machin of Lost, Lust for Darkness. Et je vous conseille de regarder ce stream si vous avez envie de vous poêler sur une trentaine de minutes sur un jeu qui est complètement naze, mais qui est présenté avec brio. Et c'est pas des fleurs hein, que je me lance, c'est juste que je rattrape quand même l'ennui total de ce jeu qui est totalement dispensable et devrait pas exister en fait. Alors on n'a pas de sub, donc je vais devoir écouter de manière attentive, ce qui est rare chez moi d'être attentif. Ah ouais, non mais. Je comprends pas tout, moi, madame. Je prends, je lis. F comme lire. Alors, on va avoir de quoi lire, mais. On verra peut-être plus tard. Hein. On n'est pas que là pour ça. Et ça, je prendrais bien volontiers, tu vois. Mais non, tu vas pas vouloir. Tu n'es pas sympa, truc. Allons voir dans la commode. There's always something in the commode. Look, ça scintille. Alors ça y est, il n'y a plus de surbrillance, il n'y a plus rien. C'est fait un petit peu à l'arrache, ce jeu, ou c'est moi? Et on y voit que dalle. Closed beginner. Coucou. Coucou. Non, tu n'es pas dans le joueur du grenier, mais ça pourrait très bien être ça. Oh putain, je me barre, tu me saoules. Est-ce que je peux me barrer au moins? Et je suis où d'abord? Bon, je suis coincé par une porte que je n'arrive pas à ouvrir et qui est l'uniporte pour sortir. C'est quand même relativement triste. I comme inventaire. Alors, tu vas dans ton inventaire. Tu prends un lockpick. Yes. Et tu le mets sur la serrure. Comment ça? Tu viens de jeter tes lockpicks? Non. 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 Non! Non. Mais non, merde. Ce jeu commence super bien. On va s'entendre au moins aussi bien qu'avec Lust for Darkness. Puisqu'apparemment, jeu dirigiste fait par un débutant, quoi. Parce que c'est les deux erreurs qu'il fallait pas faire dans sa prog. Dès le démarrage, on a fait 10 minutes. On est dedans. Et 10 minutes avec mon speech d'intro. Donc moi je reste un petit peu perplexe et je me dis qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je ferais pas mieux de me barrer? Mais me barrer du jeu, hein, pas me barrer de cet endroit, je m'en fiche. Je suis plus concerné là déjà. Oui, je fais la grosse voix méchante parce que ça m'insupporte quand on tombe sur ces jeux que des gens osent vendre et qui sont faits avec le fion, il faut dire. Oui, c'est un jeu fait avec le fion. Des erreurs d'interface pareilles, je sais pas, tu fais pas ça. Et là. Oh putain! Et l'autre, je bouge comment? Je vais le tuer, ce truc. Alors ça bouge, mais je veux bouger l'autre du con. Tuez-moi, je suis Ripley dans Alien. Ça recommence. Infirmière. Oui, ben le premier numéro, hein, comme d'hab. Ça sonne occupé. Pff, il fait chier, en ce moment il est jamais dispo.
Non, non, essaye, il faut que je l'appelle vraiment là. Ça se trouve, c'est un jeu pour lui en plus. Ah, ça sonne? Vas-y, passe-moi. Allô? Oui, c'est encore moi. Comment tu vas, Fred? Bien, 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 bien. Je t'appelle là pour un petit souci. Un jeu là qui s'appelle 25 Cadre of Death. T'as essayé le truc là? De l'âme? Oui, je suis bien d'accord. Totalement. Totalement. Et du coup, moi je suis coincé au début. Parce que je j'arrive pas à bouger mes deux lockpicks en même temps et je vais essayer toutes les. Ah, regarde ça. Et ça me. Alors, je suis obligé d'avoir une main sur la souris pour bouger celui du haut. Attends, je te garde, Fred. Une main sur la souris pour bouger celui du haut. Une main en bas pour bouger celui du bas sur le clavier avec le X. Et attendez, le pad est en train de me vibrer sur la jambe à chaque fois que je bouge. C'est pas grave, j'en ai plein d'autres. Vous allez voir comme je suis doué au leg picking. Chez moi, c'est un sens inné, quoi. Ce stream va pas aller très loin, je pense. Parce qu'en plus, je peux bouger que dans un sens, je peux pas bouger dans l'autre. Quoi, je l'ai paniqué là? Ton truc, arrête de me casser les rognons. Ah, j'ai le pad qui tombe en même temps parce qu'il vibre trop. Et pourquoi j'ai dit oui? Je dédie cette action à Chaos. Il comprendra pourquoi. Maintenant, il va falloir trouver l'option pour ouvrir la porte. Et je pense que c'est pas gagné du tout. Ouh. 13 minutes de stream, il ne s'est rien passé à part une galère. Oh merde, Fred, je t'avais oublié, excuse-moi, oui. Oui, j'ai compris, c'était avec les lockpicks, oui, effectivement. Et avec la touche X, effectivement. Et oui, et avec la souris en même temps, ce qui est plein de bon sens, quoi. Je vais te laisser, je t'embête pas plus longtemps. T'es où? T'es toujours à Fort Boyard? Ah bah oui. Bah, mes amitiés passe-partout. Hein. Allez, à bientôt. Ciao. Alors, des indices. You noises. Faut pas faire de bruit. Ok, c'est de l'infiltration. Noises. Bah, et s'il faut pas faire de bruit, ce téléphone, ce serait con de le laisser sonner. Par contre, je vais prendre cette petite hache parce qu'on a toujours besoin d'une petite hache. Le jeu est taquin. Hein. Là, c'est même plus de la taquinerie, c'est t'as envie de prendre le truc et de le balancer par la fenêtre. Quoi. Donc 5. J'appuie sur la touche 5, ça fait absolument rien, c'est génial. Mais non. Je ne suis pas le sujet à la clownophobie, quoi. Non, mais putain, pourquoi j'ai dit oui? Ok. Alors, rappelle-toi comment t'as dit mémé. Non, il veut pas. Moins bien. Bon, le pad est tombé par terre, mais c'est pas plus mal. Hein. Et je deviens bon là. J'ai ramassé ce qui est tombé. On rappellera quand même au programmeur que quand on développe un jeu, le premier respect que tu peux avoir par rapport à un joueur, même si ton jeu c'est de la merde, c'est déjà lui permettre de mapper ses commandes. C'est facile à comprendre.
C'est pas très dur à mettre en place hein, dans une page option. Et du coup, ça se passe généralement bien pour la première rencontre avec un soft. Quand ça n'est pas disponible en général, quel que soit le joueur, qu'il soit patient ou pas, il aura déjà un petit peu envie de te cracher à la gueule quand même. Enfin, je spécifie ça, mais ça se retrouve tellement fréquemment sur les jeux Steam que des fois vous vous posez la question. Et alors ce truc qui affiche le E quand il veut, t'es là mais tu fais mais je suis où? Il y a une assiette qui sonne. Ben, je vais la prendre. Ne referme surtout pas, sinon ça va se reverrouiller. Il va falloir relock-piquer. Se fout de moi ce jeu. Est-ce un jeu ou est-ce un test? Je commence à me poser la question. Oui, je veux prendre le pied de l'armoire. Pauvre con. Mais pathétique gros con de merde. Mais qui a programmé cette diarrhée, quoi? Je crois que je vais me faire plaisir dans le stream parce que trouver des qualités à des jeux qui sont médiocres, c'est une chose. Maintenant, trouver des qualités à un jeu de merde, programmé avec le cul de surcroît, et russe! Laissez-moi rire. C'est un téléphone qui est dans cette boîte, sérieux. Quand j'affiche mon inventaire, j'ai pas grand-chose. Hein. Oui, voilà. Donc ça clignotait, mais ce n'était pas un téléphone, c'était une boîte. Et la spatialisation du son étant tellement aux petits oignons que. D'accord. Bah, au moins on a compris le principe du jeu, c'est tu te caches dans les armoires dès qu'il y a une menace. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. La mauvaise, ça veut dire que tu n'auras pas de sulfateuse, ni de grenade sur toi, et encore moins de lance-flammes. Ce qui peut être quand même désagréable parce que je pense qu'il va pas me laisser tout seul. Le bougre a sûrement l'intention de m'affluber d'une certaine compagnie. On n'est pas pressé de trouver d'ailleurs. Des piles. Damn, on a très mal commencé, mon pauvre jeu. On a très très mal commencé. Où c'est que tu veux m'emmener? Pourquoi tu me mets encore un E? On s'en fout. Oh là là. Je veux juste descendre. Ah, il y a un téléphone là-haut. Mais niveau spatialisation, c'est pas top. Hein. Elle est peut-être là-dedans. Tu veux pas que je la lockpick celle-là? Non, je sais faire sur les autres serrures, mais celle-là est absolument identique. Ah. Je crois que je suis pas vraiment seul. Monsieur! Monsieur! Je te vois par la fente de la porte, regarde. Coquin. Tu viens faire coucou? Tu sais pas ouvrir les portes, toi non plus? Ça fait flipper, ça, dis donc. Mais sérieux, tu veux faire quoi d'un jeu pareil? Mec, tu veux le vendre ton produit ou c'est un prototype qui décollera jamais, qui n'apparaîtra jamais dans le commerce? Le mec, il a fait quoi, là? Youhou! Ouais, je vais te faire passer à travers. Je pense qu'en buguant un peu, il y a moyen que tu passes à travers, tellement c'est mal fichu. Hein. Coucou! Alors, j'essaie les autres touches, au hasard. Ouais, il est vraiment pas très content, je crois. Hé, hey, gueule d'amour! Bon ok, je me casse. Je te laisse avec le téléphone, de toute façon j'aime pas trop les téléphones moi perso. J'allais faire un petit tour dans la bicoque. Alors si pour se cacher il faut se mettre pile en face et attendre d'une armoire que ça fasse gros ou je sais pas quoi, ou que le E apparaisse, on est mal barré. Hein. Enfin surtout moi, vous ça va. Et quand je fais sur 5 ça fait rien mec. Je me fous de ma gueule. Mec. Des codes à trouver. Comme la hache. Allez, ça ouvre. C'est bon. On rentre.
Vous avez vu ça? What the hell is going on here? The last I remember is how I was in my bed. How can you help me? I'll help you out in return for helping me. I'm locked in some room. We can help each other. It seems it's going again. I'll call you later. Oui, c'est ça. Rappelle-moi plus tard. C'était vraiment très intéressant. Il y a quoi sur la table? Hop, 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 hop. Ok. Et il y a des radiations. Find the key on the second floor, open the kitchen. Ok. Ah. Je crois que je vais faire un pas bouger. Ouh putain, ouh putain, ouh putain. Il vient droit sur moi. Il veut réguler mon espèce, vous êtes témoin. Non, je ne hisse pas. Il ne m'entend pas, regarde. Je suis tout discret et il a dû ouvrir la porte en haut, je peux y aller. Vous avez vu comme je ne m'affole jamais. Bien que je sois suivi par je sais pas combien de kilos de viande. Hop hop hop. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Je vais aller voir sa piole. C'est peut-être sympa. Oh, une clé. Vite, il arrive droit sur moi. Le truc là. Moi je prends tout. Je prends. Ce jeu, c'est incroyable! Et la musique monte, la tension ne fait que s'intensifier. Et je suis dans un coin tout obscur avec un copain qui a l'air d'avoir trop envie de jouer à Chabit. Chat! Chat! On va y aller comme ça, hein, parce que le jeu, là, niveau crédibilité, peur, tout ça, il va pas trop y arriver. Eh ben alors, mon pépère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton papa, il a niqué un mouton? Non, je me barre, tu es con. Non, je ne me bats pas, je suis pacifique. Cette bestiole va comprendre que je suis avec elle. Et puis, quoi qu'il advienne, on est ensemble. On va peut-être même se paxer d'ici la fin du jeu. Et oui, il faut le savoir, ça. Alors, est-ce qu'il y a eu un rituel? Est-ce qu'il me suit encore, ce gros con? Oui, probablement, mais bon. Pour l'instant, il n'est pas super énervé, donc je vais en profiter d'avoir Monsieur Nigo en monstre. Ce qui est chiant, c'est que j'ai pas les retours forts, donc je peux pas l'entendre venir. Non, j'ai pas noisé. Arrête de shit on me. Oui, encore une pile. Annuel. Je fais ça silencieusement pour vous faire monter la pression. Je ne vais pas noiser. Mais c'est les vieux parquets aussi, c'est un peu pénible. Quelle idée de se balader dans une baraque avec un vieux parquet tout pourri! On pourrait pas être dans un HLM avec un bon carrelage. Là, il y a encore une petite... Oh putain, ce jeu... Programmé avec le cul, je confirme. Alors, j'ai de la clé. Putain, mais il est déjà là, lui. Je peux même pas m'accroupir, c'est honteux. Apparemment, si cette bestiole est carnivore, elle va avoir des gros problèmes pour se nourrir. Moi, je pense, hein, c'est mon avis. Find the key on the second floor, open the kitchen. Oui, oui, oui. Alors, on the second floor, il peut y avoir une ruse. Parce que le second floor, selon que tu es aux US ou en Angleterre, c'est pas le même. Et il me semble qu'aux USA, le second floor, bah, c'est le premier étage, parce qu'ils considèrent que le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sème du trouble. Je sème un chaos cognitif dans vos esprits. Parce que j'ai clairement l'intention de ne pas être le seul à avoir perdu mon temps aujourd'hui. Et il a peur, avec son petit cul là. Barre-toi, pauvre lâche. T'as rien. Non. Alors, ferme ta tête. T'es une drôle de tronche quand même. Tu fais quelque chose à quelqu'un là? Ouais, tu dois faire quelque chose à quelqu'un, je pense. C'est impressionnant. Eh ben, je vais monter au premier qui est donc le deuxième.
Et je vais trouver ce qu'on m'a demandé de trouver. Mais tout d'abord, je vais tester l'enfermement dans ce truc. Et donc là, les mecs, ils ont repris le principe de Alien Isolation. Ils se sont dit, on va faire le nôtre, mais vachement plus classe. Regarde, ça fait un scanner bleu. Et le scanner bleu, il t'aide absolument à voir rien du tout. Tu serais réellement enfermé dans un placard, tu verrais mieux rien qu'à l'odeur, tu sentirais le mec approcher, quoi. Je n'ai pas fini de détruire ce jeu. Regarde-le qui se barre, ce gros-là. The kitchen? T'as vu une kitchen quelque part, toi, man? Salut, gros! Il est pas mal, ton bonnet, finalement, en fait. Non, je me barre, t'es con. Mais que t'es con, mais c'est incroyable d'avoir une bestiole aussi conne. J'ai déjà eu des Artemia qui étaient plus intéressants que toi, pauvre naze! Du sous cet angle, on dirait un clown en plus. Je vais mourir! Exaucé, merci! 26 minutes, 26 minutes d'ennui profond, c'était 25 Cadre of Death, un jeu qui apparemment n'est pas fini et qui n'est pas fini d'être pas fini, quoi. On lui souhaite de ne pas sortir, en fait. Ah oui, je suis méchant, mais c'est le fond de ma pensée, parce qu'un truc dans cet état-là, tu ne le présentes même pas au public, généralement, si tu as un minimum de dignité. Donc, moi, c'est clair que quand je tombe sur ces genres de produits, et qu'on me file une clé avec un grand sourire, je me méfie en général. Je me dis, ça doit être une bonne grosse bouse. Et c'est effectivement le cas de ce 25 Cadre of Death qui, en l'état, n'intéressera personne. Et les gens qui seront avoir à payer pour ça vont être vraiment vénères. Alors, le truc dont j'ai entendu parler à ce sujet, c'est que ce jeu est supposé être livré en épisode. Et vous voyez le fond de ma pensée. Voilà. Si ça, c'est l'épisode 1 qui va sortir. Je pense qu'ils peuvent se prendre des grandes vacances, hein, et puis il n'y a pas besoin de bosser l'épisode 2, personne n'en voudra, hein, soyons très très clairs et limpides. Peut-être que si j'entends des échos de gens ayant été plus loin dans ce jeu qui disent « Ah, il y a un truc formidable à un moment », j'oserais vous faire un autre bout de stream à ce sujet-là, mais voilà, restez-en à ce que je vous ai dit, vous avez entendu mes réactions pendant tout le stream, j'ai rien contre ces gens qui développent ce jeu en particulier, mais très honnêtement, il y a des limites dans le foutage de gueule, quoi. Je vous laisse avec les deux streams usuels, plus le bouton abonnement, et on se retrouve demain à 19h pour une autre émission. Je sens qu'il va y avoir des boulettes, mais ça, c'est encore un effet paranormal, je présume.